sœurs, la fête des Pâques désormais approche. Avec les paroles du prophète Isaïe dans notre rite, l'Église nous invite à nous réjouir, à déborder de joie, parce que Jésus a été élevé sur la croix, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Au début de cette Eucharistie, où nous serons nourris de sa parole et de son corps, demandons-le le pardon de nos péchés et la joie de son salut. Je confesse à Dieu le puissant. Je veux que le Seigneur que j'ai péché en pensée, en parole, à l'action et à la pensée, et que je le corrige. C'est pourquoi je suis venu à la vie de Dieu, les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu le puissant nous fasse la miséricorde. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous brise à la vie éternelle. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie.
La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanes. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son royaume, et même consigné par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés. Et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil.
C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit
et la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, les lectures de ce dimanche nous rappellent de malgré notre indignité et notre désobéissance, Dieu ne se lasse pas de nous manifester son infinie miséricorde. La première lecture résume l'histoire du peuple hébreu qui fait l'expérience du châtiment de Dieu. L'exil touche le cœur du peuple qui commence alors un long chemin de conversion. Une fois qu'il a retrouvé la confiance, c'est-à-dire la foi en Dieu, le Seigneur libère son peuple et fait triompher l'amour. Cette histoire est également valable pour nous et pour notre époque. Nous ne devons pas avoir peur lorsque nous nous trouvons au milieu de difficultés ou exposés à des dures épreuves, parce que Dieu nous aime même à travers les châtiments. Et il agit toujours en vue d'une issue de miséricorde et de pardon. Cette fois, Dieu n'utilise pas ses prophètes pour délivrer le peuple, mais un païen, Cyrus, roi de Perse, pour nous rappeler que notre salut ne repose pas sur nos mérites ou sur nos efforts purement humains, mais sur la richesse infinie de sa miséricorde. Dans l'Évangile, Jésus déclare « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. » Et pour expliquer ce que signifie croire au Fils de Dieu, Jésus se réfère à l'histoire du peuple d'Israël qui, sur les chemins du désert, lieu de stérilité et de tentation, s'est rébellé contre Moïse et contre Dieu lui-même. De sorte que beaucoup ont été punis en étant mordus par des serpents venimeux et sont morts. Cependant, les Israélites, ayant reconnu leur péché, Dieu a promis que quiconque mordu par les serpents regarderait les serpents de cuivre placé sur un bâton, resterait en vie. Le serpent élevé par Moïse dans le désert est une préfiguration de Jésus élevé sur la croix. Les serpents de cuivre sauvaient parce qu'ils présupposaient la foi en la parole de Dieu qui promet le salut. De même, Jésus, mort sur la croix, est la source du salut pour tous ceux qui ont foi en lui. En effet, lorsque le moment est venu, l'arbre de la croix devient le remède au
serpent ancien a trompé Adam, qui a goûté au fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La désobéissance et les désirs d'autosuffisance d'Adam ont produit le péché et la mort. Sur le nouvel arbre de vie, la croix plantée sur les calvaires, Dieu s'unit jusqu'à une obéissance sans limite et en amour inconditionnel. Il nous enseigne le vrai chemin de la vie, c'est-à-dire l'amour sans limite, car personne n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Chers frères et sœurs, toujours, mais particulièrement en ces temps de carême, nous devons méditer sur la croix de Jésus. Contempler la croix, c'est avant tout contempler l'amour. Ce qui était autrefois un symbole de mort et de condamnation devient maintenant un symbole de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Mais comme le Christ qui a tout donné, qui s'est donné lui-même, chacun de nous est invité à donner quelque chose de soi-même à son prochain. Jésus ne nous demande rien sur la croix. C'est nous qui faisons l'expérience de son amour, pressentons les besoins de le suivre dans sa bonté, puisque les derniers mots de Dieu n'est pas la mort, mais la vie. Essayons aussi d'apporter la vie là où la culture de la mort est établie. Lorsque nous parlons de péché, nous parlons du succès ou de la perte d'une existence. Une vie bien réussie, c'est une vie vécue dans l'amour, consacrée à faire le bien, comme Jésus nous l'a enseigné. Que la contemplation de la Sainte Croix nous aide à transformer toute notre vie en un acte suprême de charité envers les autres et de louange envers Dieu. Que la participation à sa passion nous guérisse des morsures du péché et nous conduise à sa résurrection. Que le carême, quelle joie que Christ donne à nous en disant
qu'il a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Habité par la confiance d'être sauvé par Dieu, adressons-lui nos prières. Oh.
Prions ensemble au nom de cette Église. Pour la gloire de Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. De même, après le repas et la coupe, de nouveau et de grande grâce, il donna à ses disciples en disant : prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous buvez cela, prenez-moi.
pape François, notre évêque Pascal et tous les évêques et prêtres de l'Église. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait la joie au long des anges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Thank you.
quelle joie quand on m'a dit partons. Allons à la maison du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.